c'est comment ? Vincent. Vincent, ouais. Vous êtes de Meaux ? Non. Vous êtes d'où ? Je suis de Magny-le-Hongre. D'accord. Et vous n'allez pas à Chessy ? Non, non, c'était plein. Il n'y avait pas de rendez-vous disponible. Ah, donc vous avez pris rendez-vous ici il y a combien de temps ? Bah, il y a quoi, il y a 3-4 jours, un truc comme ça. Voilà. Ah, ça a été assez rapide alors ? Oui, oui, bah oui, on a pris dès que le président a fait son allocution. Ah, donc vous êtes ici donc, pour votre première injection et à la suite de l'allocution du président. Exactement. Ça vous a incité ? Bah oui, clairement, puisque les restrictions qui avaient été mises en place, les vacances n'allaient pas être les mêmes. On ne pourrait pas profiter de la même manière, en fait. On avait déjà prévu quand même de se faire vacciner. Oui. Avancer l'échéance. On va dire que ça met un coup de pression. En fait. D'accord. Donc sinon, vous vous seriez fait vacciner quand ? Fin juillet. Ouais. Fin juillet. Ouais. Après les vacances, vous pensiez partir en vacances avant ? Oui. Non, avant les vacances. D'accord. Vous partez au mois d'août ? Oui. Oui. Oui, mais sur le mois de juillet, on est en job étudiant et du coup, c'était pas possible de concilier les deux. C'est pour ça qu'on est parti à la va-vite. Quoi. D'accord. Donc là, c'est possible. Et donc, vous allez avoir votre deuxième injection dans un mois ? Ouais, ouais. Exactement. Ah, c'est ça ? D'accord. Et votre prénom, vous, c'est comment ? Océane. Et Océane, vous êtes de Magny aussi ? Non, de Pont-Carré. D'accord. Ouais, c'est un peu plus loin. Très bien. Ok. Et donc, vous êtes étudiants tous les deux ? Exactement, ouais. D'accord. Mais vous comptiez vous vacciner de toute façon ? Oui. Oui. Ça allait être obligatoire en plus pour rentrer à l'école. Claude, vous habitez Meaux ? Non, j'habite à Isbly, à quelques kilomètres d'ici. D'accord. Donc c'est votre première injection ? Oui. Et vous êtes venu à la suite de l'annonce du président ? Non. Je suis venu à la prise de connaissance des effets de l'annonce du président. C'est-à-dire que dans quelques semaines, quelques mois, si on n'est pas vacciné, on ne pourra pas aller au restaurant, pas aller au cinéma, pas aller à des spectacles, pas aller dans les grandes surfaces dès l'instant qu'elles sont dans un centre commercial. Donc ça veut dire avoir des difficultés même à se nourrir, à faire des approvisionnements, ne pas voyager, etc. Alors on est libre de ne pas se faire vacciner. Ça, le mot obligation n'a jamais été prononcé. Mais en fait, tout est orchestré par derrière de façon très hypocrite pour empêcher les gens de vivre s'ils veulent faire jouer leur droit à la liberté de ne pas se faire vacciner. Donc vous vous sentez obligé ? Ah mais plus que ça, j'ai le sentiment contraint. Et je suis très en colère. Alors je suis venu me faire vacciner parce que je suis retraité, j'ai le droit de vivre. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais en fait, j'étais totalement contre l'idée de me faire vacciner. Parce que je me suis toujours protégé, j'ai toujours fait très attention. Et j'estime que là, on outrepasse mes droits. Alors, je comprends la politique générale, mais c'eût été beaucoup plus simple et beaucoup plus franc. Et mon bulletin de vote aurait été beaucoup plus sincère si on avait dit aux Français, eh ben, la vaccination, ça va être obligatoire. Alors que là, on joue les contours, les détours, c'est très hypocrite. Donc mon bulletin de vote, je pense qu'il va... Il va changer ? Il va changer. Au présidentiel, vous voulez dire ? Oui, au présidentiel. D'accord. Oui, parce que tout ça est inspiré par Macron. Macron est un hypocrite depuis le début. Il promet, mais il ne fait jamais rien. Ou il fait le contraire, ou il revient sur ses promesses, enfin, bref. Et donc pour votre première injection, vous avez pris rendez-vous ? Oui. Et ça a été long, il a fallu attendre longtemps, ou comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé dès l'instant que le serveur voulait bien fonctionner, parce qu'il était saturé, je crois. Doctolib ? Doctolib, oui. D'accord, mais vous avez pris rendez-vous quand alors ? J'ai pris rendez-vous avant-hier. Ah, pour aujourd'hui ? Pour aujourd'hui. Et donc ça s'est bien passé, vous n'avez pas fait la queue trop longtemps au Colisée ? Ah bah là, je suis là depuis 2 heures quand même. D'accord, peut-être passé au bout de 2 heures. Oui. Enfin, j'ai reçu l'injection au bout de 2 heures. Ouais. Donc il faut prendre son temps quand on prend rendez-vous. Oui, non, mais ça c'est normal. Par contre, l'organisation ça est parfaite. Ça, vous gêne pas ? Ça ouais. Me gêne pas, c'est normal. Organisation parfaite. Oui, oui, génial. Et puis des gens d'une gentillesse extraordinaire. Franchement, chapeau. Chapeau. Depuis l'annonce du président, c'est la panique générale, j'ai l'impression. Alors, c'est mon ressenti et je pense que... Christian Allard, c'est exactement le pareil. Alors, je vais vous donner mon avis. Jusqu'à il y a peu de temps, c'était effectivement au plus tôt 3 mois
après le Covid, et une fourchette de 3 à 6 mois. Voilà, une injection. Il y a un mois environ, la Direction générale de la Santé a dit qu'il était possible, lorsque la situation se présentait, de réduire à 2 mois, pas en dessous de 2 mois. Donc j'ai bien entendu la période où vous avez fait votre Covid, et on est actuellement, on doit être à 2 mois. Oui, parce que moi j'ai fait le mien le 8, je suis sorti le 17. On a fait le 8 mai, on a fait le début du Covid. Oui, 8 mai. Voilà, 8 mai, 8 juin, 8 juillet, vous voyez que vous êtes à 2 mois et demi. Donc il n'y a aucun problème pour que vous ayez votre injection unique. On en fait une. Voilà. On est obligé d'attendre. Non, attendez, vous avez déjà, vous voyez, vous avez progressé. Oui. Hein? Eh ben, grâce à cette petite conversation entre nous. Donc, vous êtes déjà dans la maison. Bon, là, vous n'aviez pas du tout été vacciné non, avant. Non, non, non. D'accord non, non, non. Eh bien, vous allez prendre, on va vous enregistrer là maintenant, pour votre première et unique injection, et vous rentrerez, vous serez dans la boue. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas pris de rendez-vous avant? Non, on n'avait pas pris de rendez-vous. Vous êtes sans rendez-vous. Voilà. On est sans rendez-vous. Donc, c'est la preuve que ici, on arrive à juxtaposer de la façon la plus harmonieuse à la fois les personnes qui ont pris un rendez-vous et celles, quelles qu'en soient les raisons, qui n'ont pas pris ou qui n'ont pas pu prendre de rendez-vous. Alors, bien évidemment, on jongle un petit peu avec cette situation, mais on y arrive en étant très vigilant pour qu'il y ait un équilibre, l'équilibre souhaité et souhaitable. Voilà. Alors, on est déjà dans la boîte. Alors, vous allez, vous voyez, vous mettez là, ces personnes sont en train de faire leur inscription de première vaccination. Donc, dès qu'elles ont terminé, vous êtes là. Et après, vous serez accompagné dans la salle pour avoir votre première et unique injection. D'accord. Et vous sortirez après avec votre QR code mentionnant que vous avez eu le programme de vaccination complet. Est-ce que vous avez la preuve de... J'ai tout le panoplie du médecin. Voilà, quand on vous a fait le test PCR qui a confirmé le diagnostic. Parce que l'assurance maladie demande, ce qui est normal, effectivement la confirmation qu'il y a bien eu le Covid. Donc, oui, il y a un compte rendu d'hôpital. Bon, et bien très bien, c'est parfait. C'est très bien, vous avez bien fait. Donc, tout à l'heure, lorsque vous verrez mon confrère qui vous vaccinera, eh bien, vous lui direz et vous lui présenterez ses documents. Donc là, ils vont ressortir après avec le certificat. Absolument. Le pass. Tout à fait, qui est l'équivalent du pass sanitaire. Certificat sur papier. Ah oui, oui. Et que vous pourrez, avec sur votre smartphone, charger. Voilà. D'accord. Donc on essaye de les faire passer à l'heure de leur rendez-vous. Ça serait votre cas. Penseriez exactement la même chose. Parallèlement, je dis bien parallèlement, par vagues successives, on intègre les 100 rendez-vous. Alors, vagues successives, ça veut dire quoi? Là, vous l'avez peut-être vu déjà, mais je rappelle l'illustration. Par une dizaine ou une douzaine de personnes sont intégrées de façon à ce que, au niveau de la salle, ça puisse fonctionner. Vous voyez, vous avez dans la salle, vous avez vérifié tout à l'heure, vous avez 10 postes de vaccination simultanés. Que dit ça veut dire? Ça veut dire 10 médecins, 10 infirmières. Vous voyez, de 9h du matin jusqu'à 19h par semaine, 22h. Et 22h le mardi, encore que mardi dernier, on a fermé à 23h30. Vous voyez, en ayant ouvert à 9h, sans interruption, 3000 personnes. Donc, qui dit mieux? Toujours faire mieux, mais depuis le 11 janvier, ça fonctionne comme ça. Il y a 110 000 personnes qui sont passées. Voilà. Donc, vraiment, on essaye, et moi je suis là avec tous les gens qui m'accompagnent du matin au soir, justement pour que ça marche de façon la plus harmonieuse,
Je comprends que la tente, c'est pas marrant. Encore qu'aujourd'hui, il ne pleut pas, mais je peux vous dire que hier et avant-hier, c'était l'horreur. C'est pour ça que j'avais prévu des barnums, mais qui n'étaient pas suffisants. C'est jamais suffisant. Mais bon, on s'adapte. On essaie de s'adapter. Voilà. En tous les cas, vous pouvez faire confiance. Et moi, si je suis là, c'est pas que je ne fais pas confiance à toutes ceux et celles qui travaillent avec moi, mais j'ai l'œil, vous voyez. Et vous allez me voir arriver, etc. Parce que quand vous voyez les choses, on ne peut pas vous raconter le contraire. Voilà. Donc, on fait tout. Pfizer, depuis le début, c'est 100% de Pfizer depuis le 11 janvier, date de l'ouverture de ce centre. Voilà. Eh bien, on s'occupe de vous avec plaisir. Voilà. Je vous en... Alors, cet engouement, je ne le mettrai pas sur le compte uniquement de la prise de conscience un peu tardive de beaucoup vis-à-vis de l'aspect médical, sanitaire et utile donc du principe de la vaccination et en particulier contre le Covid-19. Je pense que ce qui a déclenché cet engouement a été surtout le fait que des perspectives qui se profilaient pour ceux et celles qui n'auraient pas leur passe sanitaire, de ne pas pouvoir partir en vacances, de ne pas pouvoir aller au cinéma, de ne pas pouvoir aller dans des lieux de culture, voir les restaurants, les salles de sport, etc. Donc je pense que c'est ça. Alors, indépendamment de la principale cause de motivation, l'essentiel, c'est que les gens se fassent vacciner. Donc, soyons concrets, positifs, très importants. Première et deuxième injection qui puissent être faites dans le calendrier classique, que ce soit ici pour la première et la deuxième sur le site de vacances, ou les deux sur le même site, peu importe. L'opération, on peut dire, est à ce jour bénéfique. C'est un des centres qui, depuis le début, un des centres en Seine-et-Marne qui a la plus grosse activité, mais sur le sud, il y a le regroupement hospitalier autour de Melun qui a une grosse activité également. Et puis, vous avez Chelles, vous avez, ben, n'oublions pas, nos sapeurs-pompiers qui sont à Disney. Donc voilà, si vous voulez, si on peut dire, les poids lourds de la vaccination en Seine-et-Marne. Mais à côté de ça, il y a d'autres, de très nombreux autres centres où l'activité est plus modeste, mais parfaitement utile, de façon à couvrir l'ensemble du territoire. Comme Dammartin-en-Goële, par exemple. Alors, il y a Dammartin-en-Goële, encore que je n'ai pas beaucoup de nouvelles sur l'activité au jour d'aujourd'hui de ce centre, mais je pense, par exemple, à des centres comme Provins, comme Lagny, effectivement, qui, depuis le début, ont une activité tout à fait significative et absolument utile sur leur bassin de population. Et de surcroît, avec cette recrudescence, c'est évident que j'avais, il y a quelques jours, la directrice de l'ARS au téléphone. Tous les centres ont repris, ont doublé, triplé leur activité depuis le début de cette semaine. C'est le cas pour Meaux aussi. Ah, c'est Meaux. Ah ben, c'est bien simple. Le lendemain de l'allocution présidentielle, on a fait ici, plus l'activité du Vaccibus, 3000 injections. Ce qu'on n'avait jamais fait jusqu'à depuis 6 mois, par jour, dans la journée. Le lendemain, c'était le 14 juillet, donc hier, jeudi, on a fait plus de 2100 injections. Et aujourd'hui, entre les gens qui ont pris un rendez-vous et ceux très majoritaires qui viennent sans rendez-vous, on devrait être à 2200-2300. Et donc ça, quand on dépasse 2000-2100 de vaccinations et qu'on atteint des chiffres comme 3000, on voit la différence. C'est beaucoup, beaucoup plus de travail pour toutes les équipes. Beaucoup de gens qui ont regardé la télévision, en tout cas sur, à ce moment-là, et sur les chaînes en question. Voilà, on peut en conclure ça. Voilà, bon, les gens sont concernés par l'avenir. L'avenir,
pour des la motivation est diverse, variée, mais peu importe, comme je l'ai dit, si on veut que le plus grand nombre soit vacciné, eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire.